Yo les gars, c'est Matt, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur Dofus. Vidéo sur le SRAM les amis, c'est le retour du SRAM, je sais que vous êtes nombreux à me le réclamer, donc le voici, le voilà en personne. Vidéo sur le SRAM R, aujourd'hui on va sortir SRAM R, mais pas n'importe quel SRAM R, comme vous pouvez le voir, on est 100% crit, plus ou moins 96, enfin voilà 91. Le SRAM R d'Ocrit, parce que maintenant il faut savoir que ça fait un petit moment, mais tes Docrit influent sur tes poisons, donc quand tu vas crit avec tes poisons, ça va prendre en compte tes dommages fixes R plus tes dommages crit, tout simplement. Ce qui fait que t'arrives à une totale addition de poisons assez astronomique, quoi, qui ça fait le taf de ouf. La cote du SRAM, les gars, on est à 3700 et quelques à peu près, sachant que vous allez voir, durant les games, là, les colisétons vont monter au fur et à mesure parce que j'avais fait mes matchs de jeu placement il n'y a pas très longtemps. Et je sais que parfois ça vous intéresse la cote des persos, donc le SRAM, il a 3700. Je vous retire pas plus, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. Vous savez que plus il y aura de pouces bleus sur la vidéo, plus je ferai en sorte de vous poster la prochaine vidéo le plus rapidement possible. Donc merci à tous ceux qui bombarderont la barre de like sur la vidéo. Et moi, je vous souhaite un agréable visionnage, à tout de suite. C'est parti les gars, Steamer en face de nous, on a l'initiative, 26%, ouf, bon il a 100 récrit, mais c'est pas trop grave, vous allez voir que ce stuff les gars, malgré les 100 récrit, il envoie des patates de forain, c'est le cas de le dire. On va se caler ici, je vais lui caler l'arsenic d'entrée de jeu, ok, je vais avancer je pense ici, petit comploteur. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nickel, je vais caler l'épidémie. Ok, et on peut caler un petit piège par là, et nous on va se planquer ici. On joue en sylvestre, hein, donc on essaie de le booster au maximum. On passe tour, on déclenche tout ça. Ok, là vous allez voir que déjà, juste avec ça les gars, il va déjà prendre très cher. Hein. Ok, les petits poisons commencent. Il a quoi un prix tech, je sais pas trop. Audace de dodge, j'arrive à parler. Il doit être dopou du coup. Bon, j'ai pas de forge là ou quoi, mais c'est pas dramatique. Ok, là il prend cher, tu vois. Et en plus de ça, il se remet du coup l'épidémie. Ça, c'est plutôt positif. Je vais les roder. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Je vais passer un vice tour là. Quoique, ouais, si, en vrai, si. Je cherche juste mes sorts. Fouvroiement. Comme ça, j'érode un minimum. Ok, fouvroiement, ouais. Ok, mettre un petit piège insidieux ici. On va passer un vie. Ok, je vais me caler par là. Hein. Ok, on booste le sylvestre, on passe tour. Le double, on va le rapprocher. Alors, le jeu lag un petit peu, je vais vider mon cache tout à l'heure. Et là, vous allez voir, il va commencer à prendre très cher. Là, il prend du 300. Dites-vous que là, il a juste... il a quoi? Il a encore l'épidémie et il a le piège. Ok. Et il a l'arsenic, pardon. Voilà, c'est ça que je voulais chercher. Ok, il cherche par là-bas. Ok. Dites-vous que ça va tomber très vite. Hein. Là, je l'ai un petit peu érodé. Bon, il m'a trouvé, mais c'est pas trop grave. Je crois que pas mon vulbis, quoi. Mais c'est pas trop dramatique, on va dire. Pas de vulbis, pas d'ocre. Bon, il me trouve pas spécialement, mais il va peut-être me trouver à la fin du tour, là. Ouais, ok, je pense là, il m'a trouvé. Il sait que je suis devant lui, logiquement. Ok. Bon, il a pu me trouver. Il a de la chance, hein. Sur ce côté-là, il a eu de la chance. Là, il prend un petit moins 700. Ok. Mode reconce, plus 700. Ok, il est full vital, frérot. Et là, on va continuer, hein. Le double, il va péter ce tour-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est... Je regarde juste ce qu'il a. Ok, on va lui caler, du coup, l'injection, comme ceci. Parfait. Arsenic. Je peux lui recaler l'épidémie en vrai. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire l'épidémie. Hein. Question qu'ils prennent bien cher. Malheureusement l'épidémie ne crit pas, ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas trop grave. On va essayer de se barrer en boostant le sylvestre. Là on prend. Avec l'invie, on prend vraiment beaucoup de puissance. Hein. Lui il pète. Ok. Et là vous allez voir que les poisons vont commencer à entrer, tu vois. Là il prend un petit moins. Ok, moins 800. Sachant qu'il a toujours 26% d'érosion, hein, je précise. Hein. Ok, surtention. Je sais pas comment il fait pour me trouver à chaque fois, les gars, mais c'est une dinguerie. J'avais 8 PM, il a réussi à me trouver, je sais pas comment il fait. Hein. Du coup, j'aurais pu enlever mon ivoire, et enfin mon vulbis et mon ocre, limite. Mais c'est pas grave, en vrai, il me trouve tous les tours. Après, il se remet à l'épidémie encore une fois, donc ça, c'est plutôt positif. On le répète, là, on se rend visible. Je vais me calmer. Ouais, quoique, je sais pas trop, là, les gars. En vrai, je vais me caler là, je vais quand même le rééroder avec un fouvroiement. Ouais, on va rééroder tout ça. Ok. Je peux arnaque, je réfléchis. Après, est-ce que j'arsenis? Ouais. 4, 5, 6, 7, 8. Je vais quand même arnaque un coup. Arnaque un deuxième coup. Ok, je vais lui caler un petit piège par là. Hein. Bon, là, forcément, il va me mettre du dopou. Mais c'est pas grave, on passe tour.
Ok, là il se prend, oh, il prend cher. Moins 1100, là il n'y a plus que 1800. Mais là on risque de prendre cher ce tour là. Ok, il avance. Il nous met son cousin le chahutier. Ok, il nous. Oh, il sort enfin la tactique Tyrell. Il l'avait pas sorti depuis le début. Hein. Ok, sur tension. Ok, bon là on va prendre cher, mais vite fait. Hein. Moins 1500. Après, il y a encore elle qui passe derrière, c'est vrai. Il a 1008. En fait, je me dis, s'il se place mal, je peux peut-être tenter un kill parce qu'il a les poisons, tu vois. Moins 900. Et là, en fait, on prend cher, mais je pense que je le tue. Hein. GG, hein. Ouais, ça passe large. Les poisons, en fait, si vous voulez, il se fait surprendre de ouf. Hein. Bien joué à lui. On va se caler ici. On va foutre vraiment comme ceci. Et ça passe. Ok, game. Bon, franchement, si je tuais pas là, j'étais mort derrière. Hein. Dites-vous, il m'a eu un. Enfin, il m'a eu tous les tours où j'étais invisible, malheureusement. Mais là, il m'avait un tour de plus. Ça aurait été la win pour lui. Hein. Je vais vous montrer juste un petit peu l'étendue des dégâts du stuff. On est full pod. Excusez-moi. Alors, bon, SRAM R Docrit, c'est vrai que c'est moins joué que les SRAM R full dégâts, mais vu que maintenant les poisons, enfin ça fait un moment, hein, mais tes poisons en gros prennent en compte tes Docrit, donc en gros ça fait un gros plus quoi. Hein. Donc, et en plus on joue en Sylvestre, dites-vous que le stuff il reste très viable dans le sens où t'as 5000 PDB, t'as 30% de res all, donc ça reste globalement dans la globalité pas mal. On va juste booster le Sylvestre. Tes arnaques qui passent à peu près à moins 800. Bon, niveau crit, t'es pas mal, hein, je crois que t'as 91. Le fou vraiment, t'as 96. Ton injection, elle est à 100%. Enfin, tu vois, t'as plus de 95% quasiment all. Les fous vraiment aussi qui sont très efficaces pour éroder. Voilà, petite flamiche qui fait plaisir. Ok, là, je vais vous montrer quand tu combines tous les pièges. On va juste se boost comme ceci. On va à l'injection toxique. Ok, épidémie et arsenic. Et on passe tour là, juste avec les trois pièges là, il prend du moins 1600 et du moins 900. Voilà, grossièrement. Après, tu peux encore ajouter les pièges insidieux qui mettent de bonnes patates. Tac, tac. Tac, on va se caler là pour le Sylvestre. Je vais booster avec l'arnaque. Là, il a quoi? Il a du coup le piège insidieux, l'épidémie, l'arsenic et l'injection. Grossièrement, vous allez voir les patates. Là, les arnaques qui passent à 1000, dis-nous que c'est 3 PA, les gars. Tu fais du 1000. Là, on a combien d'agis? On a 1260 AJ avec, je crois, 200 puissance, un truc comme ça. Et là, tes poisons, tu vois, moins 1700 et moins 1300. Enfin, c'est une dinguerie. Pas pour rien que le steamer, là, il a été surpris. Hein. Je pense qu'il pensait gérer, mais au final, avec les poisons, ça surprend. Je vous propose qu'on passe à la game suivante. A tout de suite, les gars. C'est parti, les gars. Second combat contre un Yop. On aura sans doute l'initiative. J'espère qu'il est placé devant nous. Ce serait full bénef. Nickel. 36% de réserve. Bon, il a de belles restes partout en fait. Hein. Le frérot, il a un scintillant, ça va être un peu chiant. On va se caler là. On va lui caler l'arsenic comme ceci. On va envoyer un petit double. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, en vrai, je peux le laisser là. Ça, il va pas trop le gêner, mais c'est pas trop. On va faire ça comme ça. Épidémie, canal combat. Et je vais lui caler ça là derrière. Ouais, je lui mets là en vrai. Je vais lui mettre ici. Et après, il va sans doute forcément bon. On va se caler là, nous. On passe tour. On va se caler là, on lui cale l'épidémie. Nickel. Et je sais pas si je lui ai dit bonjour, mais on peut lui dire bonjour. Là, il est bon. Est-ce que je joue. Je sais pas si je joue le piège potenteur là, je crois. Ah, s'il faut se commune, c'est bon. Il me vindicte d'entrée de jeu. Bien joué. Ouais, j'aurais peut-être dû le. Après, non, quoique, en vrai, c'est pas trop grave. Hein. Salam. Alors, il a l'incinti, donc il va falloir qu'on érode un minimum. C'est un yop haut. Il va venir nous coller, mais en soi, ce n'est pas dérangeant. Et je vais l'éroder, hein. Tout simplement, les gars, je vais les roder. Hein. On va se caler là. Je vais du coup double héros. Ça me semble le must. On fait quand même mal hein, sur ces raids. Hein. Double héros. Petit piège que je vais caler là. Et je vais lâcher l'invi direct. Hein. Ok, on va booster du coup notre Sylvestre. J'aimerais pas qu'il nous trouve trop facilement non plus. Je vais me mettre là, tiens. Je pense pas qu'il me trouvera. On passe tour. On va avancer le double. On passe tour. Ok, il prend des petits poisons déjà d'entrée de jeu. Là, le but, c'est que j'arrive à lui caler l'injection. Très, très important vu qu'il est érodé. Va falloir qu'on donne tout là avec les poisons, en fait, vu qu'il est érodé. En fait, là, les gars, je profite vraiment de Dofus 2. Ok, je sais pas si je vais pouvoir l'injection comme je veux. Parce qu'en fait, quand tu auras Unity qui sortira, ça va être beaucoup plus chiant, les SRAM. Hein. Je vais quand même m'avancer. Ok, je vais lui caler, du coup, son injection. Mais il faut que je m'expose à mort, ouais. En vrai c'est pas grave, je vais mettre là, je vais l'injection comme ceci. Ok, je vais lui caler un petit piège ici. Et moi je vais mettre un petit piège là. Hein. Là il va forcément me trouver, j'ai joué avec le feu.
On passe tour. Ok, mais je voulais lui caler l'injection quand même. Je prends la jument moins 600. Lui, prend du moins 600 aussi. Ouais, sur Dofus 3, les gars, ça va. Les SRAM invisibles, un tour. Bon, heureusement, ils ont mis les PM de tour. Mais moi, les gars, je profite. Vous avez vu, je vous sors plein de vidéos Dofus 2 tant que je peux encore là. Parce qu'après, ce sera fini tout ça. Là, il va me trouver, c'est sûr. Il va sans doute fendoir, un truc comme ça. Et ça va me trouver dans la zone. Hein. Ok, bon, et le deuxième fendoir devrait me trouver. Ouais. Je profite de Dofus 2, les gars. Franchement, moi, ça me fait un petit pincement au cœur. Je sais pas vous, je pense que. En fait, j'ai l'impression que Dofus 2, Dofus 3, c'est vraiment 50-50. Hein. T'auras 50% de la commu qui vont kiffer Dofus 3. Ouais, c'est trop bien. La nouvelle DA, elle est trop belle et tout. Alors que, pas vraiment. Et t'as 50% qui sont en mode, comme moi, un peu. En mode mitigé, tu vois. Je vais le ré-éroder. Ah mince, il y a l'ivoire. Je vais juste déloc son ivoire comme ceci. Est-ce que je fausse commune peut-être? Ça me semble pas mal et je me fous le bar. Hein. Genre fausse commune, je vais mettre une araignée. C'est combien c'est déjà? 3 4, 5, 6, 7, je peux faire ça. Je mets une araignée. Et je me fous le bar. Hein. Et on passe tour, on va mettre ça là. Ok, je pense qu'il joue en abyssal, non j'ai pas check ça. Ouais, il joue en abyssal le frérot. Je vais laisser ça là du coup, on passe tour. Ok, moins 500, sachant qu'il est érodé. Est-ce qu'il arrive à m'avoir là, sachant qu'il est pesanté, il a 7 PM. J'aurais mieux fait de lui donner un PR en fait, ça aurait été mieux peut-être, je sais pas. Ok, il va prendre du shield sur l'araignée. Ok, bon Yop, c'est Yop SRAM les gars, quand le Yop est haut c'est très très dur. Je sais que moi quand je joue mon Yop haut les gars, je gère quasiment tous les SRAM hein, sans vouloir vanter quoi que ce soit, mais c'est véridique. Hein. Là il a 13% d'héros, il a encore eu l'injection sur lui. J'ai le retour de l'invie dans 2 tours. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En vrai, je vais me caler là, je vais le foudroiement. Ok, je vais l'arnaque. Ça fait mal. Hein. Ça fait très, très, très mal. Et en vrai, une épidémie là où je lui recale l'injection. Hein, vu que j'ai 5. Je vais lui recaler une injection. Là, je vais prendre cher derrière, c'est clair. Il prend quand même du 1100. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Prend du 1100, sachant qu'il a une vita, il a deux vita déjà. Il me réérode. On a l'invite dans un tour, donc faut que j'arrive à tanker encore un tour. Hein. J'ai pas la fosse commune malheureusement. Ouf, il lâche la précie le cousin. Faudrait pas qu'il me duelle. Un T. Ok. En fait, dites-vous, je pense qu'il est mort parce que. Ah, il donne tout. Parce qu'en fait, je gagne, je crois. Parce que là. Ok, il a 700 shield, tout ça, mais. Moi, je pense que derrière, j'y arrive, hein. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Parce qu'il a quoi là? Il a l'injection. Je vais boost le Sylvestre à fond. Et je pense que ça passe. Hein. Je vais arnaque. En fait, vu qu'il lose la vita, je vais faire ça. 4, 5, 6, 7. Faut vraiment. Et je tape et GG. Hein. Là, il lose vita. Hein. GG. Ouais, le stuff est puissant, hein. Franchement. Là, il a les poisons et il lose vita. Enfin, il y a tout qui est en notre sens, là. Hein. Game en 5 minutes, du coup. Alors, ouais, la cote, elle est en train de monter du SRAM parce que j'ai fait mes matchs de placement, du coup. Donc, au fur et à mesure des games, on gagnera de plus en plus de colisétons. Je vais vous montrer, du coup, le stuff, si déjà, je sais que c'est ce que vous attendez le plus. Du coup, on part sur un stuff crit. J'ai voulu innover un petit peu et faire un mode, au lieu de faire du stuff air full dofix sur SRAMR, j'ai voulu faire un stuff air do crit. En ce moment j'aime bien jouer le do crit, ça envoie du très très lourd quoi, ça fait très très mal. Donc on est parti, enfin je suis parti pardon sur une full catcher. Cette panoplie c'est une panoplie que je joue beaucoup en ce moment sur peu importe les classes, sauf le Yop peut-être un peu moins, mais sinon tout ce qui est Kra, EK, le SRAM, je joue beaucoup cette panoplie. Donc la catcher, triple item, coiffe catcher, bot catcher, anneau catcher, tu combines à ça panoplie triple ravageur, donc tu cherches ton 12 PA assez facilement, hein. Ça c'est plutôt cool. Triple ravageur, donc pour l'autre PA, torque ravageur, 16 ravageur PA, hachoir ravageur avec un petit over d'ocrite dessus. Ensuite on combine à ça les gars un double item crânonnier. Franchement pour deux items, t'as 10% feu, 15 d'eau, 20 esquive PA, des repous, des crits, c'est masterclass. La cape 2% R, la ceinture over 50 vita. En termes de familier, c'est un co-culte, parce qu'en fait, faut maximiser les crits, quoi. Tu peux enlever le co-culte, mais voilà, si t'as 80% de crits, c'est pas non plus... Moi, je préfère m'approcher des 100%, tu vois, on est quand même pas mal niveau crit. Donc, co-culte, du coup, 4 feuilles, Dofus, vous les voyez 6 contre. Alors,
Je joue en steel vest, c'est cool parce que c'est cool, pardon, j'arrive pas à parler, parce qu'il me booste les PO, la PO à mort. Et franchement, quand t'es un SRAM et que t'as l'invie, ton Sylvestre, il te donne beaucoup beaucoup de puissance. Ensuite, bah, on a quoi? On a 5000 PDB, 12 PA 6 PM, 1061 d'AGI avec 109 puissance. Donc on a quasiment 1200 d'AGI sur un stuff crit, c'est pas mal. Hein. 5 portées, l'initiative qui est pas mal, hein. On a tout le temps quasiment l'initiative. 70 dos crit, alors on a, c'est pas des dos crit excessifs, mais voilà, encore une fois, l'avantage du truc, parce qu'en fait, la panoplie, si vous voulez, ravageur, donne pas spécialement de dos crit, tu vois, même pas du tout. Ça donne des dos plutôt, mais pas de dos crit du tout. Mais c'est vraiment pour. C'est un stuff où t'as le 12 PA facilement. Donc, t'as un peu moins de dos crit, mais t'as quand même 113 dos fixe air aussi. Et tes res restent bonnes, tu vois, t'as environ 30% all. Donc, ça fait plus ou moins le taf, quoi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la prochaine game. Du coup, je vous dis à tout de suite. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Si plus il y aura de pouces bleus sur la vidéo, plus je ferai en sorte de vous sortir la prochaine vidéo le plus rapidement possible, bien évidemment. Donc je compte sur vous pour bombarder la barre de like. À tout de suite. C'est parti les gars, Zobal. C'est assez rare que je croise des Zobal, donc ça fait plaisir. Je me suis dit pourquoi pas vous le filmer. Dites-vous que là je filme pas toutes les games. Je crois que sur 7-8 games là j'en ai perdu seulement une. Ce stuff il est vraiment masterclass. On va se mettre prêt. On a l'initiative, il a de belles res. Bon il a de belles res partout hein. Ouais c'est pas mal. Audace de dodge, ok, ça marche. Je vais quand même lui caler des patates dans les chicots. Après avec l'épidémie, je vais pas réussir spécialement à l'avoir, hein. Non, je pense pas. Juste caler ça là, je vais lui mettre l'épidémie, j'ai pile la portée, on va faire ça comme ça. Petit piège répu par là, je vais me mettre là. Est-ce que je reste là sinon? Ouais, je vais rester caché au pire des cas. Je vais rester là, et on passe tout, ok. Nickel, Audace de Dodge qui carry la... What the fuck, il a pris combien de dégâts là? Il a pris cher, hein. On remercie l'Audace de Dodge hein, qui... qui l'a mis dans le piège directement, dans les pièges. Il envoie le masque. Le but là, c'est que si j'arrive à poison les deux, ce serait cool. J'aimerais bien les roder un minimum aussi. Alors The Wall, ça va pas être facile, hein. Ça va être très très compliqué. Ok, il se barre, il va s'éloigner à l'opposé du masque, ce qui est logique. Ok. Est-ce que j'ai de la... La map est immense, hein. La map est immense. Ouais, il manque un PO. Ah, j'arrive pas à l'avoir, mince. Il manque un PO. Parce que là, du coup, je vais pas pouvoir faire grand chose. À vrai dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ouais, déjà envoyer une épidémie, ça peut déjà être pas mal. Je vais caler ça là. Je peux pas faire grand chose. Hein. On va mettre ça là. Moi, je me remets là-bas pour le Sylvestre. Juste déclencher ça. Et je vais me mettre là et on passe tour. Ah mince, l'Audace de Dodge qui carry encore une fois. Ok. Faut que je l'érode. En fait, j'aimerais bien l'éroder un petit peu avant de passer invisible. Donc là, il vient, c'est bon. Mais je crois qu'il est full dopou. Enfin, avec l'Audace, soit il est dopou, soit il a un élément, je sais pas. Quand je vois ses res, il doit être dopou, non? Ok, c'est du haut dopou. Haut dopou, c'est carré. Ok. Prends l'épidémie, ça fait mal. Après, on a aussi pris cher. Hein. Ouais, du coup, je vais l'éroder. Je vais booster un petit peu le Sylvestre, juste. Je vais du coup lui mettre un fou vraiment comme ceci. Ok, 5. Ou alors je fous l'érode, c'est peut-être mieux, un fou vraiment. Ouais, je sais pas. Je vais faire ça. Un petit peu mal joué, du coup. C'est pas grave, on va faire ça. Ça. Ok, et on passe tour. J'ai mis combien d'héros avec le truc, la marque morture 25. Ok, bon, c'est pas dégueu. Maintenant, à voir le double, j'aurais pas qu'il me bloque. Je vais mettre vers là le double. Pour l'instant, je sais pas trop où le mettre. Parce que si je le mets là, il va me bloquer la trajectoire. Donc, à voir. Là, il est bien érodé. Hein. Il a 51% d'héros. J'espère juste qu'il me trouve pas. Ce serait un peu bête s'il me trouve. Parce qu'il y avait de la marge. Hein. J'avais quand même pas mal de PM. Ouf, il est. Ouf, il est à côté, hein. Pitié me trouve pas, il nous met son cousin à côté de lui. Et il se met du shield. Hein. De toute façon là il est érodé, là je vais le poisonter à mort les gars. Histoire où il met le truc. Ok, donc là je vais l'injection toxique. Parfait. Arsenic. Épidémie. Et c'est parfait. Hein. Le double il pète mais tant pis. Enfin, on s'en fout quoi. Je réfléchis. Où est-ce que je pourrais me mettre? Je vais me mettre là-bas, tiens. On passe tour, avec celui-là on passe tour, là il va commencer à prendre cher. Il a encore combien d'héros là? 51%, nickel. Il a pris cher.
Moins 900. Mine kawot. Ok. Oh, on l'a bien érodé déjà. Hein. Par contre, vu qu'il est dopo, on prend très très vite très cher. Hein. Ok, il se met 1440 shield. Le masque grimaçant. Donc là, il prend encore 500. Il prend très très cher. Et là, hello, on est là. Fais voir. L'arsenic, il a encore un tour, ok. Ce que je peux faire, c'est que je vais le réroder. Comme ceci. Ouais, si, vas-y, je vais réroder comme ça. On érode. Mettre un piège répu parce qu'il va. Attends, je vais voir où est-ce que je finis mon tour. Moi, j'ai le répu qui me gêne là. Finir mon tour par là-bas, je pense. Hein. Je vais mettre un répu ici. Et un insidieux. Ici, je sais pas après où est-ce qu'il va. Par où est-ce qu'il va passer, le frérot. Et je vais me caler là. Hein. Et on passe tour. Ok, là, il prend. What the fuck, combien? Moins 400 et moins 1000. Ok. Là, j'espère qu'il se prend un des deux pièges, ce serait cool. Ok, il prend le répu. Par contre, il arrive à m'avoir quand même. Il a plus que 2006, hein, mine de rien, malgré le masque. En fait, les poisons, vu que ça passe à travers, ça, il prend cher. Hein, et vu que je l'avais mis à 50% d'héros, forcément, il prend cher. J'ai l'invite dans deux. Là, il est full héros, il a 26%. Donc, je vais me booster avec les arnaques. Hein. Après, il faudrait que j'arrive à me placer à peu près bien. Je sais pas. Je vais juste taper comme ça. Une fois. Deux fois. Il n'y a plus de masque. Faudrait que je mette peut-être une épidémie. Ouais, j'aurais dû éroder avant. Hein. Erreur de ma part. Tant pis, je vais épidémie. Je vais faire ça comme ça. Et je sais pas trop où mettre. Hein. Je vais prendre cher dans tous les cas. Il prend moins 500. Et s'il me tue pas là, je le tue moi. Mais je pense qu'il me tue. Ouais, il avait 36 PM en plus. Malheureusement, je pense que c'est finito pour nous. Hein. Dites-vous, ça se joue à un tour là. Hein. Moins 300. J'ai un Ivoire Khan dans 3 attaques. Moins 700. Moins 700. Oh, ça passe pas. Hein. Il nous tue pas. Hein. Est-ce que moi je le tue derrière? Il a plus de poison. Compliqué là. Hein. Faut que je booste le Sylvestre à gogo. Et je tente. Hein. Je vais arnaque. Ça fait mal. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arnaque. Vraiment, je suis d'avis que ça passe. Hein. Ok, bah ça passe. Hein. Ouais, GG. Voilà, game de fou là. Ça se jouait à un tour nouveau, mais c'était pas mal. Hein. Game en 6 minutes contre Zobal. En vrai, Zobal SRAM, je trouve c'est intéressant. Genre, j'aime bien les croiser quand je suis en SRAM, les Zobal. Ça fait plaisir. En plus, c'est une classe que tu croises rarement. Donc ça fait plaisir. Du coup les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse sur ça. J'espère que ça vous a fait plaisir, les trois petites games. Et en plus de ça, sur SRAM, je sais que vous êtes nombreux à me réclamer le SRAM dans les commentaires, souvent des vidéos. Vous aimez bien voir le SRAM. Du coup j'espère que ça vous a fait plaisir. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Vous savez que plus il y aura de pouces bleus sur la vidéo, plus je ferai en sorte de vous sortir la prochaine vidéo le plus vite possible. Je la tourne, je la monte, je fais la miniature et je vous l'envoie. Donc merci à tous ceux qui bombardent la barre de like. Et moi je vous laisse sur ça. Le petit abonnement aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification qui fait toujours plaisir. Concours aux 40 000 abonnés, nous y sommes bientôt. Je vous ferai gagner un item rare. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de vous abonner. Et je vous souhaite une agréable journée ou une excellente soirée. C'était Matt Dofus. A très bientôt, ciao les gars.